La France, bien évidemment. Une ligne complète. C'est pour en fond de touche, pour Spanghero. Quelle percée de Skrela, oui! Skrela qui retrouve extérieur, bien mouré. Et essai! Essai entre les poteaux pour bien mouré. Superbe! C'est vrai que plaquer, désintégrer quelqu'un, ça me passionnait. Mais ouais, être un soutien, être porteur de nom, un joueur, être un bon joueur, c'est-à-dire tout me passionnait, c'est-à-dire prendre des balles en touche, quand je pouvais piquer des balles au grand, ça me passionnait. Aller plaquer, c'est vrai, désintégrer les gens, bon, c'était un autre. Moi, j'étais pas agressif et je n'acceptais pas de me servir d'être brutal, mais par contre, le jeu permet des tas de choses et aller au bout de ce que permet le jeu. Mais avoir le ballon dans les mains me passionnait plus que plaquer. Alors faire la passe ou pas la passe. Comme un jeune gamin, quand j'ai commencé à jouer au rugby, vous avez des tout petits gamins qui ont 5 ans, 6 ans, et ils prennent le ballon sous le bras, ils ont envie de courir avec le ballon pour aller marquer. Et bien, moi, toute ma carrière, c'était ça, c'est d'avoir le ballon dans les mains, parce qu'on joue avec un outil, c'est de l'avoir dans les mains. Quoi. Je crois que s'il n'y avait pas ça, je n'aurais pas joué au rugby. Ce qui me plaît le plus dans ce sport, c'est on gagne ensemble, on perd ensemble, on souffre ensemble. Il y a des gens plus costauds que vous qui se battent bec et ongles pour vous procurer le ballon. Et vous êtes derrière dans l'utilisation, surtout pour ne pas les décevoir. Je crois que cette notion de partage, de solidarité, de respect entre les hommes, elle est générée par ce sport et c'est ce qui m'a plu dans ce sport. Formidable essai de Biémouré, un essai construit par toute la troisième ligne alors que Pierre Villepreux réussit la transformation, la France qui mène.